Salutations, ladies and gentlemen. On se retrouve pour un jour un épisode, toujours intérieur, toujours pas sans dormir. On est vendredi, c'est le dernier jour de la semaine. On va peaufiner un petit peu notre village, enfin notre début de village, notre embryon de village. Je cogitais entre deux épisodes qu'il va falloir en fait faire les 13 professions là aussi ici, puisque il y a un méga progrès. Je vous montre. Hop, dans Palapalam, c'est aventure, je crois. Voilà, là il y a les hommes grenouilles. On a fait. Mais regardez, alors celui-là, commercer avec toutes les professions dans tous les biomes. Oh bah, ploum, 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 ploum. Ouais, voilà, vous avez compris. Il va falloir qu'on fasse un vrai village du marais, un vrai village de la jungle. Sinon, ça peut pas marcher. Donc voilà, il va falloir qu'on trouve des patterns d'églises des marais, de temples des marais. L'église, on s'en fout. Forge, etc. Donc bah là, j'ai fait une habitation. Voilà, il va falloir cogiter un petit peu et densifier ce marais. Ça tombe bien, il y a de la place, mais quand même, je verrais bien une petite église là-bas, là-haut sur la colline. Mais il y a du taf, mais pas tout de suite, puisque c'est un méga progrès. On va d'abord essayer de peaufiner un petit peu tout ce qu'on a là, et puis bah, commencer à reproduire un peu plus de villageois aussi. Alors pour ça, on va récupérer une cisaille, parce que qui dit plus de villageois dit besoin de lit. Or, j'ai cru voir des moutons qui traînait ici et là. Voilà, je suis plutôt là d'ailleurs. Et on va récupérer de la laine. Hop, ça sera des lits blancs, c'est pas grave. Hop, hop. Ah, quoi que je pourrais l'atteindre avec les petites fleurs bleues. Parce qu'après tout, avoir des lits dans la teinte du secteur, c'est quand même plus mieux. C'est raccord, quoi. Voilà, donc il y a ça que je voulais faire plus de lits. Bon, alors peut-être les faire blancs d'abord. Oh, quoi, il y a beaucoup de fleurs ici. Ici sur le chemin, c'est pas forcément raccord des fleurs. Hop. Voilà, on va se faire. Ah, mais c'est bleu clair en plus. Hop. Comme ça, on va se faire un petit peu de laine bleu clair. Sauf que j'en ai pas fait assez. Alors, est-ce que j'ai encore de la poudre d'os sur moi? Hop. Voilà, on récupère des fleurs. Ah, c'est pas mal ça pour avoir du bleu clair, j'avais pas percuté à cette histoire. Voilà. Oh, on va laisser là, tiens. Un joli petit champ de bleuets. D'orchidées, je crois. Orchidées bleues, c'est exactement ça. Voilà. Et puis là, on va teindre. Ah, il m'en reste encore 3, hein. Eh ben, pas de problème. On va quand même enlever une partie des fleurs ici. Ah, on va bien y arriver à faire tous nos trucs en laine bleue. Ciel. Bleu clair. Ok, alors, est-ce que j'ai du bois sur moi? Pas assez. Hop. On va peut-être économiser le sapin, on sait jamais, on pourra en avoir besoin. Faut aussi que je finisse la cheminée. Donc on va faire nos lits avec le bois d'acacia qui nous reste. Ça, on va poser. Ça, j'en ai plus besoin non plus. Les escaliers non plus. Hop, voilà. Par contre, ce qui serait bien... Où est ma caisse à outils? Ouais, si, j'ai vu. Hop. Ah, tiens, on va laisser de la poudre d'os dans la caisse à outils. On va se monter un petit échafaudage. Pas là. Juste à côté. Voilà. Et on va aller poser tout de suite notre cheminée. Notre haut de cheminée. Hop, le petit habillage qui va bien. Pour depuis la 1.14, je crois. Avec ces nouvelles... ces feux de camp et ces trappes. Ah bah tiens, je pensais avoir laissé ouvert ici. Bah non, j'ai habillé, j'ai pas fermé. Hop. Voilà. Tic. Voilà, qui nous permet de faire un habillage avec de la fumée. C'est quand même beaucoup plus sympa. Voilà, donc le toit, c'est fait. Hop. Voilà. Faire des lits. On va faire des lits tout de suite. Hop. Bon, là, ils sont noirs, mais c'est pas grave. Mais qu'est-ce que vous faites? Messieurs, mais enfin, que faites-vous? Et toi, pourquoi t'es pas venu boucher, là? Tu peux pas y accéder à ton fumoir? Bizarre, vous avez dit bizarre. Allez, on va se faire 4 lits. Hop. Et on va, pour l'instant, les poser dehors. Mais comme ça, ils vont se reproduire, les petits bonhommes. Voilà, on va faire un... Comme dans le village d'Astérix, on se fait un petit dortoir d'extérieur. Hop, voilà, comme ça on aura 4 villageois de plus. Ça nous en fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il en manquera plus que 4 pour avoir le nombre de lits minimum pour avoir toutes les professions. Après, il va falloir faire gaffe parce que j'ai déjà fait plusieurs fermiers.
Donc ouais, il va falloir ruser. D'ailleurs, en parlant des fermiers, moi je trouve que les composteurs comme ça, c'est pas toujours glop. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre un ici, hop, dans le sol. Tout simplement, voilà, lui il va redevenir fermier sans problème, je pense. Et puis deux fermiers, ça devrait suffire, je pense, dans un premier temps. Donc on va stocker le composteur qui me reste. Hop, dans le coffre à bazar. Voilà. Et donc eux, ils ont plus de métier, c'est pas grave. Ah, ça y est, lui, il est devenu tanneur. Il a repéré le chaudron. Là, il y avait deux, donc ils sont devenus deux pêcheurs. Et lui, par contre, je sais pas pourquoi, il veut pas. Veux-tu bien aller voir le fumoir, là? Va voir le fumoir. Voilà! Bah voilà, quand vous voulez, quand même. Bon, bah voilà, on a déjà 1, 2, 3, 4 professions avec le fermier dehors. Impeccable. On progresse. On progresse gentiment, mais sûrement. En dessous, là, j'aurais bien fait de la déco aussi, parce que j'ai gardé mes cisailles. Hop, on va récupérer des buissons. Quel arbre je peux désinguer sans que ça dénature tout? Celui-là, il est tout seul, là. Lui, oui, il est tout seul, le pauvre petit. Il est tout seul, isolé. Il ne manquera à personne. Oh, c'est méchant ce que je viens de dire. Hop, et on va récupérer du feuillage. Du feuillage, du feuillage. Hop, hop, voilà, voilà. Il y a quelques lianes aussi, ce serait bien. Hop, voilà. Allez, on va essayer de récupérer tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça. Je suis pas fou l'inventaire, bah si. Eh bien, et vous savez, il était tout seul, mais on peut le remettre. Voilà, tout simplement. On peut le remettre. Par contre, c'est les lianes que je voudrais bien récupérer plutôt que les pousses. Voilà. Pour faire un peu de déco. On finisse un peu la déco, là, de notre... ami, maison number one. Voilà, parce qu'on est dans un marais quand même, il faut que ce soit un petit peu végétalisé tout ça, donc on va mettre quelques lianes ici et là. Hop, voilà. Une ici. Et avec les buissons, on va essayer d'en faire aussi des customs. Voilà. Hop, voilà, comme ça. Ici, par exemple, on va pouvoir faire un peu de végétalisation. Hop. Tac, tac, tac. Voilà, ça fait quand même un petit peu plus habillé. Hop, allez, on va faire comme si là il y avait des lianes qui descendent dans l'eau. Voilà, comme ça. Et puis bah, là aussi, on va végétaliser un petit peu là parce que voilà, c'est bien gentil là le petit champ, mais là aussi, tiens, on va faire des. Voilà, là, tant qu'il y a les. Sur les bords du chemin. Ah, on va se faire quelques petits buissons ici et là, dans l'autre sens aussi. Hop, voilà, ici par exemple, là, hop, comme ça. Là, un petit buisson pour habiller. Voilà, que ce village commence à ressembler à quelque chose. Voilà, on fera un petit chemin par là. C'est sympa, voilà, comme ça, tac, tac. Voilà. Tiens, au pied de l'arbre, sympathique aussi. Voilà, on passe par là, et on ira par là quand j'aurai enlevé toutes mes shulkers. Voilà, déjà ça c'est sympa. Ensuite, on va pouvoir mettre un petit peu d'habillage. J'aurais quand même bien vu en chaîne plutôt. Ouais, on va plutôt faire en chaîne. Pas trop abuser du orange, le garder pour les maisons. Comme s'ils avaient importé du bois d'acacia exprès. Et... on va faire avec du chêne, on va faire quelques barrières. Voilà, c'est bien aussi d'habiller avec quelques petites barrières. Ah, par exemple ici, voilà. On va protéger un petit peu notre champ d'une certaine façon. Là par exemple, voilà, ça pourrait être sympa. Pouf pouf, comme ça on passe là. Là on va mettre un petit peu aussi. Hop. Un petit peu là. Et on va aller de l'autre côté, on va faire la même chose. Tiens, genre ici. Ah, des petites barrières. C'est toujours bien les petites barrières, ça habille. Ça habille son petit chemin. Voilà, il m'en reste une. Et on va la mettre toute seule. Mais on va lui mettre un petit buisson dessus. Voilà. Et si c'est pas mignon ce petit chemin. Regardez. Ouf, voilà, on arrive dans le petit village. Tac boum, voilà, avec du monde, plap, plap, plap. On se promène, voilà, petite maison sympathique.
Gros bazar devant la maison. Ça, c'est de ma faute. Mais c'est pas mal. C'est pas mal là, tel que c'est. Par contre, voilà, ils vont se coucher. Donc moi aussi, je vais ranger mes affaires. On va prendre une shulker vide. Voilà, la blanche. Et on va mettre tout le bazar dedans. Hop. Tout ça, là, je rangerai hors caméra. Vous inquiétez pas. Je veux juste ranger là. Hop, 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 hop. Ça, je veux le garder sous les yeux. Voilà, on va récupérer nos shulkers et puis on va les terminer la semaine à la maison. On va les laisser tranquilles. Hop. On va laisser le chat aussi ici s'il veut bien. Voilà, tu vas rester là. Merci. Hop. On va récupérer aussi ça. Bon, à part les lits en vrac, moi je trouve que c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez vous en commentaire. Mais voilà, je pense qu'on a un début de village assez sympa. Bon, on a un villageois coincé là-bas. On a les petits fantômes qui vont bientôt arriver. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Pourquoi t'es coincé? Voilà, dégage. Dégage par là. On va t'aider. Vas-y, monte là. Allez, monte. Voilà, monte. Impeccable. Ok. Il est sauvé. Il va par là. Allez, ben par contre, ça y est, j'ai attiré du zombie dans le secteur. Hop! Donc, on se fait les petits zombies sur le chemin. Oh! Eh, c'est pas mon chat, ça! Chouette, ils ont fait spawner du chat aussi. Ça, c'est cool. Voilà, ça, c'est une bonne nouvelle. Ils font spawner du chat. Donc, avec un peu de chance, j'aurai les chats qui me manquent en plus. Eh, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ça valait le coup de se lancer dans cette aventure cette semaine-là du village des marais. Tiens, trouvez-lui un nom. J'ai oublié de vous demander ça. On a le village d'Astérix. Comment voulez-vous appeler le village des marais? Il faudrait qu'on lui trouve un petit nom. Voilà, on va le poursuivre un petit peu hors caméra avec les copains, je pense, hein, pour pas vous faire que des épisodes autour de ce village. Mais j'y reviendrai pour le fameux progrès de toutes les professions dans tous les villages, de toute façon. Donc voilà, il y aura l'occasion, je pense, de parler encore de build dans les marais. Ça peut être sympa de découvrir un peu tous les petits builds qu'on pourrait se faire. D'imaginer des nouveaux builds, toujours sympathiques. Je pense que la semaine prochaine, on va peut-être s'attaquer à la jungle. Sauf si vous en avez marre des villageois, on peut faire autre chose aussi de temps en temps, hein, il n'y a pas de souci. On peut alterner les tâches et les missions. Là, il y en a une qui m'intéresse dans les progrès, parce que j'aimerais bien conclure, comme j'ai commencé la semaine, avec des progrès. C'est que, voilà, dans les minerais pour progrès, j'ai pas mal de diamants. J'ai aussi pas mal de ça. Est-ce que j'en ai assez? Non. Donc ça, on va les mettre à cuire déjà. On va se faire un petit peu plus de lingots de netherite parce qu'il y a un progrès qu'on va avancer. J'aimerais quand même bien terminer au maximum cet arbre. Comme vous pouvez le voir, il est quasi fini. Hein. Si on regarde, on a déjà regardé ensemble. Mais 68 sur 75, j'aimerais bien être à 72. Ce serait bien. Pourquoi 72? Parce qu'il y en a un qui est très chiant à faire, c'est celui-là. Casser tous les types d'armures du jeu. Celui-là aussi est très chiant et celui-là ça peut le faire. Donc il y en a deux chiants. Deux chiants, et ben ouais, j'aimerais bien être à, du coup, j'aimerais bien qu'on s'arrête à 73 sur cet onglet-là. Et après on enchaînerait avec les progrès de la construction. Puisqu'il m'en manque que 1, 2, 3, 4, 5, on doit bien pouvoir les faire aussi. Il n'y a pas de problème. Alors du coup, revenons à celui-là. Pourquoi j'ai pris du coup? Bah parce que il faut faire un bloc de diamant. Et il faut essayer aussi d'avoir 64 blocs de diamants, je crois. Il me semble. C'est ça, 64 blocs de diamants. Je pense pas que j'en ai assez, mais j'en ai ramené d'autres. Je vous rappelle, voilà, minerai de diamants, j'en ai ramené 45 de plus. Donc, on peut supposer quand même qu'on n'est pas loin. Bon, si, on est très très loin, je pense. On est très 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 loin du compte, mais bah, on va essayer. On va quand même essayer, avec fortune, hein, avec un peu de chance. Alors par contre, il faut que je me trouve un spot pour miner tout ça, sans être enquiquiné. Et comme on a les fantômes dehors, on va éviter dehors. On pourrait se faire ça dans notre belle salle des coffres. Oh, mais j'ai un cadeau! Oh, mais merci beaucoup, monsieur! C'est Elfanjo, je crois, qui m'avait fait un cadeau. Super!
On va pouvoir finir le plan, le plâche, le plâche, 1, 2, 3, le plafond, je vais y arriver, pas le plancher de la salle des coffres, ça c'est cool, du coup il va être complètement en obsidienne, bien sombre, bien nocturne, ça va être cool, comme ça on va pouvoir s'attaquer ensuite ici, on va mettre des citrouilles lanternes en dessous pour éclairer comme on m'a conseillé, ça c'est super, et puis bah ouais il me manque la fougère, c'est dans les progrès ici. En attendant, on va s'attaquer à ce progrès. Voilà, on va essayer de finir ce progrès-là pour la semaine. On espère, on va croiser les doigts. Hop, on va se mettre tous nos diamants. Et on va miner du diamant comme vous n'avez jamais miné du diamant. Presque deux stacks de minerais de diamants à coup de fortune. Ça va dépoter, moi je vous dis. Ah, ça va dépoter tellement que j'ai même pas assez de place sur une longueur. Allez, on est parti déjà. Hop, hop, allez. On croise les doigts pour avoir de quoi se faire 64 blocs de diamants. Alors, il faudrait quand même que chaque... j'en ai presque 2 fois 64. Donc 2 fois 64, ça fait 128. Et il faudrait que j'ai 9. 128 divisé par 9, ça fait combien? Allez, à vos calculatrices. Non, allez, sans déconner, on va le calculer. Hop, calculatrice. 128 divisé par 9, ça fait 14. Il en faudrait 14 à chaque bloc. C'est mort. C'est mort. Je vais pas y arriver. C'est pas grave. On essaye quand même. Voilà. On saura à peu près où on en est pour en nombre de blocs de diamants. Déjà, ce sera pas mal. Hop. Tiens, je pourrais mettre en main droite les trucs que j'ai abîmés. Comme ça, ça me permettrait de les réparer au passage. Touc. Vu que j'ai de l'XP à chaque fois que je mine du diamant quand même, hein, n'oublions pas ce petit détail. Alors dès que la pelle sera réparée, on changera. Faut que je surveille du coup. Hop. Allez, on va y aller sur 4. Rangé, hein, pas de problème. Et puis ben, on continuera à miner l'émeraude, donc on va encore trouver du diamant de toute façon. Donc voilà, au pire, on va faire d'une pierre deux coups. Alors je sais pas si je vais pas changer de montagne. Du coup, pour l'émeraude aussi. Puisque du coup, dans celle où je suis, j'ai quand même fait beaucoup de galeries déjà. Donc je réfléchis à la question. Après, j'ai sûrement pas trouvé tous les émeraudes, mais j'en ai trouvé pas mal qui étaient dans les explorations de grottes. Beaucoup plus qu'en minant des galeries. Donc je me dis que si je vais dans une autre montagne, ça peut être bénéfique. Voilà, et je sais qu'il y en a une pas loin du manoir, sur la route du manoir, hein, non loin du manoir, du monument de la mer. Donc ça pourrait être l'occasion d'aller du côté du monument de la mer et puis se faire la montagne à côté là, aller voir un peu ce qu'on trouve comme émeraude. Voilà, j'ai miné tous mes blocs de diamants et bah, il va m'en manquer pour faire des stacks, hein, parce que vous voyez j'en ai 4 quand même, stacks de diamants. Il m'en manque il m'en manque 5. Oh la vache, c'est une quantité de diamants de ouf quand même qu'il faut. C'est juste hallucinant une quantité pareille, waouh. Bon bah moi qui espérais faire ce progrès là avec vous, mais bon je vais quand même en faire un parce que je n'ai pas fait de bloc de diamant. Et donc bah on va faire un bloc de diamant, hop, tout simplement, hop, on va même en faire 29, bah, allez, et un petit progrès qui va normalement me donner un petit quelque chose, non, sans deck, il n'y a pas de récompense avec ce progrès là. Ah bah non, il fait pas partie du Blaze and Cave en fait, c'est un progrès, d'accord. Ouais. C'est celui d'avoir un bloc de netherite qui me donnera un truc. Ok, bon. Je suis un peu déçu quand même, mais voilà. Celui-là, il est dans Minecraft. Je sais plus s'ils l'ont laissé quelque part, les progrès Minecraft. Non, ils l'ont pas laissé. C'est un progrès standard. Bon. Bah du coup, il ne m'a même pas rajouté de progrès dans mon Blaze and Cave. Ah, dépité. Dépité, le monsieur. Du coup, ça, j'en ai récupéré, par contre. Alors, dans les précieux, on va ranger nos blocs. Ah, mais j'en avais encore là. Hop, allez, on continue nos blocs. Deux de plus. Eh, on est à la moitié. On est à la moitié de l'objectif. C'est quand même pas mal. On est quand même à la moitié de l'objectif. Donc, non, faut pas se plaindre. Faut pas se plaindre, c'est pas mal. Hop, là par contre, il me faut de l'or. De l'or, mon seigneur. Je la fais à chaque fois, je sais. Voilà. Alors, combien je peux en faire là? 3. Bah oui, mais c'est pas assez, il m'en faut 9. Il m'en faut 9, monsieur. Donc, il va falloir cuire un petit peu plus encore. Alors, attendez, on va essayer d'économiser quand même, parce que pour que les copains puissent faire le,
les 64 blocs de netherite, je sais pas s'ils sont déjà passés. Il m'en faut 4 à chaque fois, fragments de netherite, et 4 d'or. Donc 4 par lingot, il me manque 6 lingots, 6 fois 4, 24. Oh, il faut quand même que j'en puisse 24. Waouh, waouh, waouh. Ta ta ta. 24. Allez, on en met 24 à cuire. Il va me falloir 24 d'or, du coup. Hop. 1, 2, 3. Voilà, comme ça on en a 36. Impeccable. On va laisser cuire. Minerai pour progrès, je vais quand même laisser les 40 ici. Je pense que c'est intéressant. Pendant que ça cuit, bon, on va déborder encore. Je vais essayer de ranger un petit peu. Si je trouve les choses. Non, je vais pas me risquer à ranger en fait. C'est trop le bordel là-dedans. C'est trop le bazar dans mes blocs. Hop, hop. Ah, il y a du monde. Hein. Alors, est-ce que ça cuit? Ouais, ça cuit, mais lentement. Hop, 9. 10. On va attendre d'en avoir 2 de plus pour faire déjà un contron. Voilà, donc là normalement je peux faire 3 lingots de plus, impeccable, précieux, on est à 6, allez plus que 3, qu'on termine la semaine quand même sur ce petit progrès. Hop. Ah mais non, il m'en faut 4, je suis bête. Allez, ça cuit, ça cuit, ça cuit, ça cuit, ça cuit, ça cuit. Ah, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Que c'est long. Ah oui, c'est la pancarte de... De Elfanjo. Encore merci à Elf pour toute cette obsidienne. D'ailleurs, je vais aller la ranger pendant que ça cuit. Hop, on va aller la mettre en bas. Comme ça, ce sera prêt. On va pouvoir continuer la salle des coffres gentiment. Salle des cartes, des coffres, la salle d'apparat même maintenant. Hein. Attention, ça ne rigole plus. Ce n'est plus la petite salle de rien du tout. Hein. Il y a du monde. Hop, est-ce que j'ai de la place? Oui, j'ai de la place ici. Ok. J'avais stocké des choses ici qui n'ont rien à foutre ici. Genre ça. Genre ça aussi, qui n'a plus rien à faire là. Des torches aussi. Pourquoi je stocke des torches ici, moi? Aïe, 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 aïe. Qu'il n'est pas organisé, cet elfe. Qu'il n'est pas organisé. Il range des choses un peu partout. Tiens, j'ai oublié de changer quand je minais. Voilà. C'est malin. Je vais réparer avec ma pelle, du coup. Hop. Faut que je décolore aussi une armure. Alors. Pendant que ça cuit, il faut laver une armure en cuir, une bannière et une boîte de shulker. Et on peut faire ça. On peut faire ça. C'est quel colorant que j'ai pris? Gris clair, gris clair. Où est-ce que j'ai la gris clair? Ça doit être celle-là. Non? Non, ça doit être celle-là. Ok. On va récupérer une pièce d'armure. Je pense que c'est juste une pièce d'armure. Hein. Hop, j'espère. Et il faut la nettoyer dans un chaudron. Dans un chaudron. Oh! Eh ben, un autre petit progrès sans le vouloir. J'ai couru 250 km. 2500 blocs. Waouh! Les boules. Non, 25 000 blocs. 20... ouais, enfin bref. Hop, voilà, j'ai décoloré. Ça, c'est fait. Est-ce que ça a compté? Est-ce que ça a compté? Yes, c'était juste une pièce. Donc, impeccable. Je peux la recoloriser tout de suite. Pour pas oublier. Hop. Et là, aller la remettre tout de suite. Pour pas oublier. Comme ça, on va se faire un petit progrès en plus du bloc de netherite. Au passage, comme ça, on sera à 618. Quand même, qu'on avance, quoi. Ouais, maintenant, ça devient compliqué, les progrès. Il faut réfléchir. C'est dire que c'est compliqué. Hop. Tiens, j'en ai fait un petit peu trop, je crois. Hop. Hop. Voilà, j'en ai 9. Impeccable. Je peux faire mon bloc de netherite. Et yes, j'ai ma collection minérale. Impeccable. Impeccable, j'ai tout fait les blocs comme ça. J'ai pas eu de cadeau en échange, ça c'est pas cool. C'est, vous auriez pu me lâcher un truc quand même. Hop, on va remettre ça en place. Eh, Sandek, on n'a pas de cadeau avec collection minérale. Eh, non, mais vous déconnez, c'est tellement balèze quoi. Enfin, on va rien dire. Est-ce que j'ai une shulker vide? Je vais quand même pas décoloriser. Tiens, une orange. Hop. Voilà, on lave la orange. On recolorise en orange de suite, pour pas oublier. Je déborde carrément. Voilà. Une orange de refaite. Et c'est une bannière. Ah oui, alors par contre, ça m'embête de prendre celle-là. J'ai pas une autre bannière dans d'hiver, là.
Non. Ouais, non, celle-là, je l'ai vraiment custom, quoi. C'est pas glop. Est-ce que j'ai de la laine quelque part? Non, d'une pipe. Ah, est-ce que ça marche avec une bannière menaçante? Oui, ça marche avec une bannière menaçante. Yes. Oh, bah dis donc, mais ça me fait même une bannière menaçante originale. Oh, j'ai bien fait. Regardez. Regardez-moi ça. Une petite bannière originale. Tiens, on va la mettre ici. Eh, on a la nettoyée et la pas nettoyée. Eh, j'avais jamais testé. Cool. J'apprends un truc, là. Super. Super. Ouais, je suis content. Je me contente de peu, hein, vous allez me dire. Mais ouais, mais il n'y a pas de petite, joie, moi je dis. Et puis du coup, on est bien à 618 progrès. Bon, celui-là ne m'a rien rapporté non plus. Mais par contre, regardez, regardez. On est, du coup, il nous manque plus que 1, 2, 3, 4, 5. Il nous en manque que 5. Dans, voilà, 70 sur 75 dans la section minage. Je dis, moi, c'est pas mal du tout, voilà, bah, j'ai débordé un petit peu pour faire ça, on est à 618 progrès, waouh, ça devient tendu, hein, quand même, et puis, bah, maintenant, je vais vous dire à lundi, si le cœur vous en dit, portez-vous bien, ciao, ciao.